Hey, salut tout le monde, c'est Foxy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première saison sur la défense des personnes. Et aujourd'hui, je vais défendre tout simplement, pour ce premier épisode, je vais tout simplement défendre l'une de mes amies. On va regarder sa vidéo parce qu'elle a fait une vidéo qui s'appelle Cette fois, c'est trop. Et donc, c'est parti. On Bon les écoute. amis, c'est Under, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va pas, mais alors genre pas du tout, mais genre pas du tout, du tout. Je vous explique ce qui s'est passé vite fait. Luna me prend vraiment pour une conne, mais alors d'une puissance incalculée. Je peux même pas vous dire le point d'immaturité qu'elle a, mais c'est un... Non mais sérieusement. Je vous montre ces trois screens et vous allez me dire ce que vous en pensez. La meuf, elle ose me mettre des screens, enfin des screens, des photos, des personnes me comparant à eux, sans pression, comme si c'était normal. Et quand je lui demande sur Discord pourquoi elle me fait ça, elle me dit, ah oh, mais c'est pour m'amuser, hein. Il n'y a pas de mal à ça, limite, tu vois, genre, mais il n'y a pas de mal à ça, regarde, je t'insulte bien comme il faut, je t'humilie bien comme il faut, mais il n'y a pas de mal à ça, hein. Non, mais il n'y a pas de problème. Meuf. Tu trouves ça drôle de me comparer à des personnes comme ça, sachant que t'es encore plus moche que moi? Déjà, la beauté ne vient pas du physique, déjà, pour commencer. Elle vient du cœur. Et le cœur, tu n'en as pas. Tu n'en as pas et tu n'en auras jamais. Il y a un fossé entre nous. Je suis mature, t'es immature. J'avance dans ma vie, tu recules dans ta vie. T'es rien face à moi. T'es juste un cafard. Un cafard à écraser. Voilà, c'est tout ce que tu es. Pour moi, c'est comme ça que je te vois. Quand, la prochaine fois que tu me demandes, quand tu viens sur Funcraft, parce que madame, mais oui, parce que les gens ne savaient pas, hein, mais Luna, elle vient sur Funcraft pour me dire, oui, j'ai des problèmes avec Tyrion, je pleure parce qu'il s'occupe pas assez de moi. Mais meuf, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Quand tu pleures, je suis là, voilà, je te réconforte un petit peu, ça fait du bien, machin, machin, machin. Que tu as fait ça derrière moi aussi, je ne suis pas capable de te comparer à quelque chose puisque tu es incomparable tellement t'es moche. Merde! Merde, je peux pas faire ça, je ne suis pas autant immature que toi. Jamais je ferai un truc comme ça, jamais. Pourquoi? Parce que Dieu, tu ne me connais pas, tu crois me connaître pas parce que ça fait 10 ans que tu es avec moi, que tu oses me dire, que tu m'insultes, etc. Merde, c'est pas parce que. Voilà, je t'explique un truc. Ça fait 10 ans qu'on traîne ensemble, je connais plus de choses. Toi, que toi tu connais de moi, je me suis toujours voilé de la face, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu me connais réellement? Est-ce que tu connais vraiment mes goûts, mes envies et même mon cœur? Parce que tu ne connais pas mon cœur. Mais ne fais pas chier, je te demande rien, bordel de merde. Je t'ai jamais insulté, je t'ai jamais demandé, oh t'es vive, ça y est. Je t'ai toujours supporté sur le dos, j'ai toujours été ton plouchetron jusqu'à présent sans jamais me râler. Et toi, tu viens de me faire chier. Mais merde, casse-toi de ma vie! Casse-toi de Funcraft, casse-toi d'MC, casse-toi du virtuel, casse-toi de ce que tu veux, mais viens pas me faire chier, je t'ai rien demandé. Putain, casse-toi! Casse-toi, va en enfer, merde! Va faire ta vie avec Tyrion et viens pas me casser les couilles! Je te demande jamais rien, merde! J'ai envie de t'éclater là! Tu vois mes yeux là? Tu les vois mes yeux? Mes yeux sont pleins noirs de haine! Haine, une haine que j'ai envers toi, mais une puissance à calculer. Vas-y, chienne, chienne à ton cou. Parce que tu n'assumes pas la vérité. Et le problème que le fait que tu n'assumes pas la vérité, c'est que c'est moi qui prends tout dans ma gueule. Et j'en ai marre de supporter toi et tes cochonneries. Arrête d'être aussi immature. Enfin, après, c'est ton problème. J'en ai marre, merde. Casse-toi, casse-toi, je veux pas ton odeur, je veux même pas ta forme. Ta forme est encore plus moche que Petite moi. ellipse, je reviens. Ferme-la. En vrai, les gens. Donc voilà. Parler. La vie de ma mère ne vient pas me parler. Je te promets, tu viens pas me parler. Casse-toi, casse-toi. La vie de ma mère, casse-toi. Sérieusement, dégage. Ouf, du vent, du palais, tout ce que tu veux. Donc voilà, donc pour vous expliquer en fait,
après cette vidéo. Donc, mon ressenti pour Ender et pour celle qui l'a emmerdé. Donc, Ender, je comprends parfaitement ce qui se passe. Même moi, ça me choque qu'elle fasse ses photos. Et Luna, t'es complètement débile. Rentre. Tu sors de ta bulle un peu. Pense aux autres. Mais non, t'es complètement conne. Que c'est pas possible, quoi. Luna, au début, je l'appréciais beaucoup. Mais elle rentre à chaque fois dans des détails qui ne va pas. C'est pour ça pourquoi je me suis éloigné un peu de Minecraft. Enfin, non, je suis toujours sur Minecraft, mais je suis dans les trucs RP. Comme par exemple la map, enfin le launcher prise en RP et tout ça. Je ne mets plus sur Funcraft ni sur Skycraft parce que justement, ça m'avait gavé. Donc Ender, je comprends parfaitement ta douleur. Ça te casse les pieds et tout. En tout cas, si jamais tu as un problème, tu viens me voir sur Skype ou sur Skype pour l'instant, parce que Discord, il faut que je le réinstalle sur téléphone, pareil pour Discord, pour Skype, justement. Au pire, non, sur YouTube, tu vas écrire sur ma chaîne. Tu as le droit de faire de la pub déjà pour ta chaîne, ça me dérange pas. Parce que tu es comme l'une de mes super amies, je t'apprécie beaucoup, Ender. Et franchement, je comprends parfaitement tes douleurs. Là, vous voyez franchement Nightmare Foxy, franchement, c'est ma colère, tout simplement. Nightmare Foxy, c'est ma colère. Là, ça se voit pas encore que je suis énervé avec ma voix, mais franchement, j'en peux plus, quoi. Je vais craquer. Je vais craquer. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Enfin, que vous allez aussi défendre ma meilleure amie, Ender. Et donc, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Foxy, bye les gens.